passe. Oh, excusez-moi, j'étais en train de jouer un jeu de piste. Un jeu de piste de l'association Loisirs et Culture de Vieux-Gy qui a été mis en ligne il y a 2 ans pour leurs 40 ans. L'idée, c'était de faire un jeu de piste pour amener les gens sur les lieux des festivités où on allait tirer le feu d'artifice. Et sur Vieux-Gy, ça permet de visiter en partant de la salle de la Bruyère où est le siège de l'association et on descend vers l'ancien chef-lieu en faisant le tour de Vieux-Gy, découvrir les différents villages dont plus personne ne connaît les noms. D'accord. Exemple Sassy, qui sait où est Sassy ? Mais c'est marqué sur le panneau en face à la mairie. Un jeu pour découvrir le patrimoine. Allumez votre téléphone et Joël nous indique comment trouver cette application. Donc pour jouer, il faut aller sur Forêt Factory, le site, et après aller chercher l'application des 40 ans de la LCB. Voilà. Et mais d'ailleurs, ce soir, ils organisent leur 13e soirée cabaret. On y va ? Allez, passez une bonne soirée. Bonsoir. On est où? Tu passeras à la télé avec moi. Salut. Ça va mon lapin? Donc au programme, on a un repas. Et après, on a des artistes, on a un harmoniciste. Et après, des danseuses. Bonsoir à tous, est-ce que ça va? C'est une soirée qui réunit, là on est complet, on a 284 personnes ce soir. Donc on est complet, on a fait le plein. C'est une belle fête pour tout le village. On se rencontre et puis c'est toujours un moment très convivial. Voilà. Il y en a très très peu de fêtes dans le village et là c'est exceptionnel ce qui se passe. Et en plus les bénévoles sont super sympas. Très très bien, ouais. On fait tout nous. C'est nous qui faisons à manger, c'est tout fait par nous-mêmes. Ben, on n'est pas tant que ça, justement, on lance un appel aux bénévoles. Pour la soirée, on est une vingtaine à peu près. 20 bénévoles, dont Fernande, Annie, Nadine, Stéphane, Marie-France et Geneviève en cuisine, ainsi que des jeunes lycéennes depuis 6 ans au service. Avant le spectacle, 280 couverts étaient à servir. On va servir l'entrée, le plat et le dessert, le café, tout ça, on débarrasse. Poêle irlandaise. Il y a du pâté. Il y a du pâté, ouais. En dessert, c'est des tartes aux pommes et chantilly. Moi, le collègue que je discutais avec, il m'a dit, ça fait toutes les années que je viens là. Ils m'ont dit que c'était super. Donc, je vais découvrir, voilà. L'association Loisirs et Culture de Vieux-Gy organise également des week-ends et des sorties de ski, des cours à l'année de gym, Fendelkras, Kichong ou encore Zumba pour les enfants. Et également de merveilleux feux de l'Ain-Saint-Jean en juin prochain. À découvrir.